Précédemment dans les bûcherons du dimanche. Ouais. Le premier. Le barouf. Ah, ça passe tout juste niveau taille, c'est nickel. Ouais, c'est bon la taille? La taille, c'est impeccable. C'est. Faut qu'on fasse plus de 6 mètres quoi. Ouais, on aurait pu faire 5 mètres 50, ça aurait été pas mal. Ouais, plus court, ça aurait été. Ouais, pour la prochaine fois. Bon bah c'est cool, ils sont en train de charger là. Ouais. Ça va le faire. Puis là ça devra nous rapporter pas mal de pognon. Un petit peu, ça commence. Pendant qu'ils sont en train de charger, je pense que ça serait peut-être pas mal qu'on fasse de l'entretien sur les machines, non? Tu crois pas? Ouais, ça lui fera du bien. Ouais, d'ac. Faudra ramener le tracteur. Je ramène. D'ac, je vais ramener la batteuse. Ouais, ça devrait nous faire pas mal de pognon, ça. Alors. Les clés. Hop. Démarrons le bousin. Hop, un petit peu de chauffe. Hop là. Ah merde, il y a la remorque là. Pas vu qu'il y avait la remorque. Ouais. Il va où? On va se mettre dans le corps de ferme, ce sera plus simple. Comme tu veux. Il faudra qu'on s'aménage un petit atelier par là quand même. Ça serait pas mal. Hop. Là, la batteuse. Hop là. Vas-y, mets-toi à côté. Ouais. On va profiter, faire le plein. Faire le plein d'huile. Ah, c'est bon. Mais, allez, hop. Petit bidon d'huile. Hop. Alors la tête a l'air d'être propre. Ouais, mais peut-être rafuter un peu la lame quand même. Tu l'as trouvé un peu dur? Non, mais bon, comme ça au moins on est tranquille. On sait qu'elle coupera bien, quoi. Ouais, comme tu veux. On est tranquille et. Ça ira bien. À mon avis, faut prendre une meuleuse. Meuleuse sur une lame, toi. Non, mais tu. Sur une lame, sur les lames. Tu veux de... une claque? Ou tu prends une lime là, alors si tu veux. Ah oui. Eh bah, vas-y à la lime. Toi, tu veux une claque? Non, je veux pas une claque. Si. Bon alors, le niveau de l'eau dans ce bordel, c'est où déjà? Et tu l'as bien arrêté? Non, je l'ai laissé en route. Ouais, fais pour le con. Petit con. Par la lame, fais pour le con. Hop. Et alors, l'huile. Attends, on va baisser la lame parce que. Tiens, baisse la lame, s'il te plaît. Du tracteur. Oh, t'es chiant. Ah, comme ça, au moins je vois s'il manque de l'huile. Ah, c'est bon, top. C'est sûr.
Ouais, c'est bon. Tu peux retourner limiter ta chaîne. Ouais. Ouais, un petit peu plus d'huile. Hop. Parfait. Les cardans, c'est tout bon. Les lames là-dessous. Bon, elles ont pas trop Ah. chopé de cailloux. Attends, j'ai un appel. Bon V, j'ai Ouais. envie de t'entendre. Ouais, c'est ça. Bon, les pneus, ils ont pas morflé. Ça va, tranquille, pépère. Tranquille, tranquille. Hein. Hop, on va refaire le plein de la bécane. Hop, belle bécane ça. Voilà. Ouais, oh, pas spécialement besoin d'affûter. Ouais, Guillaume. Oui. Je viens de me la finir. De Pour quoi? récupérer ma titine. Ah, ça y est? Bah, c'est cool. Ah bah ça va faire du bien. Tu vas enfin pouvoir te déplacer tranquillement. Oui, j'aurais plus besoin de toi. Sans que je te déplace. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Ah, ça tombe très bien les machines en même temps. Pas de soucis. J'ai reçu un message de mon père, il cherche des poutres de 15 mètres. Est-ce que vous pouvez me fournir du bois de Bah, 15 je mètres? pense, ouais. Parce qu'on n'en a absolument pas en stock. Ouais, il vous les faut rapidement, je suppose, non? Parce que là. Ouais, assez rapidement, ouais. Dac. Bah, je termine là, avec mon collègue, là. Pas de soucis. Et puis. Bah, au pire, commencez déjà à faire la sélection du bois. D'accord, Et puis. viendra vous Faire les voir après. marquages. Des marquages, ouais, dac. Oui, toi ta titine, ouais, donc je suppose que tu vas vouloir aller la chercher. Bah ouais, enfin pas, c'est pas urgent urgent non mais Non, parce qu'il y a on éventuellement il y a peut. la camionnette là qu'il faut rendre aussi. Ouais, faut essayer de la ramener. Parce que du coup, Faudrait qu'elle nous coûte si. du pognon celle-là. Bah non, puis en plus, si t'as ta titine, on Bah pourra oui. s'en servir quoi. Seul truc, on va peut-être graisser avant les axes. Ouais, pas de Il soucis. faut que tu commences à attaquer dedans. Bah ouais. Attends, on va la descendre parce que là sinon. Ouais. Vas-y encore, que je puisse graisser ceux là-haut. À ton avis, pourquoi est-ce que j'essaye de bouger là? Encore un peu. Bon. Bah eh Pour oh, le moment, on je va. suis pas grand moi. T'as qu'à arrêter de grandir dans les placards, toi. C'est quoi cette expression à la Noël? Non, Comme si tu la connaissais pas, celle-là. non. C'est Ouais, bon? ça va faire, ouais. Oh, attends, tu peux le faire, là-haut. Oui, bah, hein. Hop, un petit peu de C'est peut-être graisse. pas très grand, mais faut peut-être pas exagérer non plus. Un petit peu de graisse, hop là. Et un petit peu de graisse aussi par là. Hop. Bien. Pouf, pouf, pouf. Bah écoute, les clés du camion, elles sont à l'intérieur. Oh, comme d'habitude. Hein? Je vais aller voir Ouais. les arbres qu'il va abattre. Et puis Ok. bah écoute, Bah j'y vais et puis je te dis. puis tu me tiens au Je pense jus que je quoi. serai de retour ce soir quoi. Bah essaye de faire au plus vite, ouais. Ouais, bah oui. Faut quand même retourner sur Ragendorf. Hein. Ouais bah ouais mais bon oh. Dépêche-toi. Parce que si il faut des troncs de 15 mètres tout seul, je vais galérer quoi. Ah bah oui un Surtout petit avec peu avec la petite merde là, rouge là. ouais. Mais C'est toi qui l'as prise hein, c'est pas moi. ouais non mais Voilà. faut que je vois T'assumes. Avec Romain. avec Romain s'il n'y a pas moyen qu'on l'échange. Qu'il nous le reprenne celui-là, là, il a pas. On a pas servi beaucoup. Un tout Donc petit peu, c'est pas énorme. ouais. Ok.
Tac, bon bah y'a plus. Je vais aller voir son bois. Alors. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ils sont toujours en train de charger là-haut. Ah, les voilà en bas. Bon, vous êtes heureux de bonheur? Je crois, ouais. 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 Ouais, je pense que cela, ça pourrait le faire. Ils sont assez, assez grands. Assez grand, bonne qualité. Ouais, ça va. Tac. Ouais, ça va. Il vous en faut combien au total? Ouais, je sais pas. Je sais absolument pas ça, je lui ai absolument pas demandé. Ouais. Bon, comment... il lui en faut ouais, un petit paquet quand même. Une petite dizaine? Ouais, une petite dizaine. Je pense que ça devrait faire un petit dizaine. Bon, on va déjà commencer par ça, et puis... Ouais. Voilà, par contre, je vais être tout seul pour faire ça cet après-midi. Ouais. Je pense que ça fera pour... ouais, demain ou après-demain, je pense. D'accord, bah, pas de soucis. Mac. Aucun problème. Ok. Eh ben... Là, on est en train de finir de préparer le matériel. Ouais. On avait deux, trois petites révisions, faire les graissages et tout. D'accord, d'accord. Et puis, je vais attaquer, quoi. Ok, ok. Bah, bon courage. Tac. Merci, ouais, vous avez bientôt fini. Vous avez bientôt fini de charger, ouais. Ouais, j'ai bientôt fini. Tac. Allez. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on est bien dans ces bois. Bien mieux qu'en ville. Hein. Alors... Il est déjà parti ou pas? Ah, il est déjà parti. Purée, il a fait vite. Hein. Il a fait vite. Il était pressé de récupérer sa voiture. Pouf... Ouais, non, je suis en train de réfléchir. Tac, tac, tac. Je vais aller boire un coup déjà. Allez, hop. Ah, ça fait du bien. Bon, allez, hop. On va aller faire ces troncs. Ces 15 mètres, ça me fait un peu chier d'y faire tout seul. Mais bon, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on encaisse du fric. Hein. Hop. Là, on se recaler un peu droit. C'est pas taper dans le tracteur. On va tout de suite la régler en 15 mètres. Alors, 4 mètres, 50, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, 15 mètres, voilà. Hop, alors, je sais pas. Putain, c'est étroit quand même par là. Je savais pas que c'était aussi étroit. Bon, ça va faire tout bizarre de travailler un petit peu seul, là. Mais bon, en principe. Ce soir, il est revenu. Alors. Hop, pas de voiture. Putain, ça patine un peu sur le bitume, là. Ah, je vois qu'ils ont fini de charger le camion. Bon, j'espère que dans ce sens-là, ça va passer, qu'ils ne s'enliseront pas. Je vais laisser passer. Ouais, ça a l'air bien gras quand même. Hein. Ils ont l'air de galérer. Je vais aller voir. Voilà. Ah, il a pris l'élan. Ouais, ça a l'air de ouais. Patiner. Ouais, ça patine un peu, ouais. Bah, c'est ouais, du galérer. Chargé, ouais, ça va mieux quand même, ouais. Ouais. Hop. Oh là, il fait du rafut, votre machine.
Bah ouais, elle est plus toute neuve. Mais bon. Ah, elle marche bien. Une chicane sur le pot. Ouais, non, non, bah, mais bon, elle marche bien, impeccable, ouais. Elle coupe bien, elle nous rend bien service. Okay. C'est toujours mieux que de couper à la main, à la tronçonneuse. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Donc, bon, je vais commencer à couper les arbres. Bah faites-moi signe quand... Dès que j'ai fini, je viens vous voir. Ouais, ok. Bon, c'est cool, au moins ils sont pas restés enlisés cette fois. Hop. Je vais commencer à couper quelques troncs. Ah, moi je bute. Je suis pas bien ravi. Un arbre. Alors, donc les arbres en bas. Putain, par contre, elle se traîne cette abatteuse. On aura du déchet, je pense, hein, quand même. C'est pas grave, ça nous fera du bois pour cet hiver. Là, faudra qu'on s'en coupe quand même quelques-uns pour nous. Hop, alors. On va commencer tout en bas et puis on va faire un remontant, je pense. C'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. Hop, on va activer ça. Donc il a dit qu'on pouvait prendre tous ceux qui étaient par là. Hop. Tac, on va couper au plus bas. Hop là. Bim. Donc je suis bien en 15 mètres. Allez, c'est parti. Hop, bon bah on aura du déchet. C'est pas grave. Il faudra que je lui demande s'il a pas un broyeur. Allez. Hop, donc ça en fait déjà un. Hop là. Tac. Chope le deuxième. Faut que je fasse gaffe de pas péter la clôture du voisin là, parce que... Oh, pour apprécier, je pense. Allez, hop là. Putain, ça fait grand quand même en 15 mètres, hein. Purée. Hop, on va couper le dernier, on va passer à côté de la souche. Hop. Voilà, tête d'abattage qui se balance. Ils en sont où là-haut? Moi, je les vois pas depuis là. Je ne les vois pas depuis là. Hop, à côté de la clôture, parfait. De toute façon, je crois que je vais aller chercher le tracteur. Je vais aller chercher le tracteur. Hop. Ah, décidément, ce que je stick, je vais pas m'y faire. Là. Hop, et ça, c'est du déchet. Hop, je vais arrêter la batteuse là. Et je vais aller chercher le tracteur. Allez, on va aller chercher le tracteur pour remonter déjà au moins ça. Voir s'ils ont pas terminé là-haut. Putain, ça grimpe là.
Je sais pas si le petit tracteur il va réussir à monter ça. Bah, à première vue, ils ont terminé. C'est bon, on a fini. C'est bon, vous avez fini? D'accord. Ouais. Donc on avait dit 85 le mètre cube, c'est ça? Ouais. Bon, on a à peu près 70 mètres cubes. Attendez que je sorte la calculette parce que. De tête comme ça fait 5950. D'accord. Hop. Ce n'est pour vous. Merci. Je laisserai remplir l'ordre. Ouais, je mettrai au bon ordre, ouais. Pas de soucis. Like. Ouais. Ok. Bon, bah, vous me rappelez dès que vous avez les. Ouais, bah, dès que j'ai les troncs là, j'en ai déjà fait 3. Je vais déjà commencer à les remonter là. Ok. À mon avis, je vais les remonter sur la plateforme là. Ouais. Ça, vous aurez pas besoin de venir. Vous avez pas galéré un peu avec votre petit tracteur là? On va voir. On va voir. Ouais. Mais bon, je vais les remonter là, comme ça, moi, vous galérerez pas vous avec le camion. Oui. Ouais, on galérera pas. D'accord. Allez. Ok. On va aller décharger ça. Ouais. Bonne journée. Merci, vous aussi. Bon, et ben voilà, un petit chèque, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Hop, allez, pas de course. Hop, alors, le tracteur. Hop. On monte dedans. Hop, on va monter ces putains de troncs. Avec ce tracteur, là. Pas terrible. Hop, on remonte la lame. Tac. On va remonter le machin là. Ça, je vais les poser. Marche arrière. Voilà. Je vais les poser là-dedans. Hop. C'est bon. Hop. Ah bah ouais, avec le camion maintenant, ça nous fait de la place. Hein. Ça nous fait de la place. Hop. Tac. On va décrocher donc. Hop. Hop là. On va prendre le truc pour tirer. Pas de voiture, pas de circulation. Bon, enfin, il aura bien fait pour débuter celui-là, mais à mon avis, je pense que ça va être trop galère. Tac, 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 tout accroché. Hop là. C'est parti. Oh purée, il galère déjà comme ça, juste à vide alors. À mon avis, il va peut-être bien falloir qu'on voit pour le changer. Alors, le chemin, il est là. Bon, en descente, ça va bien. À mon avis, c'est dans l'autre sens où ça va merder. Tac. Alors. C'est quoi les touches? Ça, c'est pour fermer le grappin. Hop là, voilà. Quand on prend les bonnes touches. Ça a été bloqué. Hop là. Et c'est reparti en marche avant. Allez, allez coco, allez coco.
Eh ben purée. Il en chie, il en chie, il en chie, il en chie. Putain, il est à la limite de Calais. Allez, 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 grimpe, 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 grimpe. Grimpe. Je vais quand même pas descendre pour te pousser. Allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez. Ah, n'y est presque. Bon, ouais, non, bah là, je vais passer trop de temps, moi. Je vais passer trop de temps. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est trop lourd derrière. Alors. Allez. Oïs. 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 Ouais, c'est bon, on est sur le plat. Sur le plat, mais on le sent bien le tronc d'arbre quand même derrière. Purée. Ah, ils en ont oublié là. Ah non, c'est juste une petite souche. Hop. Bon. Ouais, non, bah là, non. Ça va pas le faire. Je vais me poser là. Hop. Et on va passer un coup de téléphone. Parce qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Alors, le téléphone. Le téléphone, le téléphone. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Oui, Garage LFD, bonjour, Romain, votre service. Oui, bonjour, c'est Guillaume. Oui, bonjour. Toujours l'emmerdeur. Toujours. Dites voir, là, bon, on nous a demandé de faire des troncs en 15 mètres. Oui. Par contre, le petit tracteur là qu'on a pris l'autre jour, il est trop juste. Le secteur, là. Ouais, il est trop juste pour tirer. Ah, c'est pas étonnant, hein. Est-ce qu'il y aurait moyen de que vous nous le repreniez et qu'on puisse voir pour un autre tracteur? Pardon, excusez-moi. Oui, comme je vous ai dit la dernière fois, je peux reprendre le Zetor, puis là au magasin j'ai un petit dot, sinon on peut voir si on peut faire affaire, ouais. Ouais, bah bon, vu 543 chevaux, je pense que ça peut déjà vous aider. Ah ouais, bah ça fera quand même plus, ouais. Ça fera quand même un petit peu plus, ouais. Parce que là, là je viens de remonter. Il est flambant neuf, hein, il est... D'accord. Il n'y a pas beaucoup d'heures de service, donc... D'accord, d'accord. Ouais, bah de toute façon, je pense qu'on va pas avoir le choix parce que là, si on veut avoir ce marché, il nous faut un tracteur plus puissant là. Ah, je vous avais dit, le Zetor c'est bien pour commencer, mais après, c'est que ça devient juste. Ça vient juste. Ouais, ça devient juste. Donc, ouais, on peut faire l'échange. Du coup, oui, bah, on va négocier ça. Ouais. Les acomptes que je vous ai versés partiront sur l'autre, quoi. Ouais, bah c'est ça. Ouais. On se mettra directement sur l'autre. Ouais. D'accord. Ok. Vous avez moyen de me l'amener rapidement ou... Vous pouvez attendre une petite heure tant que je finisse, parce que là j'ai une réparation à faire sur une abatteuse. Donc je peux vous l'amener d'ici une petite heure. Ouais. D'accord. Ouais, bah pendant ce temps là je vais attendre parce que là de toute façon... Oui, si je vais aller plus vite et je vous l'amènerai avant. Mais... Ouais, d'accord. Ok. Et ben on fait comme ça, moi je vais commencer, je vais continuer plutôt à abattre mes arbres. Et puis... On peut faire comme ça, je dis ouais, d'ici ouais, 40 minutes, 1 heure, ouais, je serai chez vous. Ouais. D'accord, ok. Je serai chez vous. Ok. On voit ensemble, moi je repars avec le Zetor, puis. Oui. On voit ensemble au niveau du prix. D'accord. On voit un peu dans l'état qu'il est le Zetor, puis. On voit ça ensemble. Ok. D'accord. Ok, ok, ok. Eh ben. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Merci. Ouais, ça. Ça va pas être du luxe de changer. Il était bien pour démarrer, mais là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Hop, on remonte dans la batteuse, et c'est parti.
On va ramener la batteuse. On va remonter la batteuse. Il devrait plus trop tarder avec le tracteur. Et ça devrait déjà être quand même plus costaud. 140 chevaux, un doute, ça devrait le faire. Bon, sinon j'accroche derrière la batteuse. On va la couper, elle aura de la puissance. Je vais peut-être le nettoyer un petit coup quand même, le Zetor. Poser ça à la ferme. Bon, puis Cyril, j'espère qu'il va revenir parce que bosser tout seul. Hop, poser ça là. Hop, on va se pas péter le mur. Là. Ah bah. Ça fait du bien quand ça s'arrête, ça. Et hop, là, celle-là, elle va rester là. Je la fermerai tout à l'heure. Hop, je vais remonter là-dedans. On va la mettre dans la ferme, on va lui donner un petit coup, vite fait. Poser le... Hop, un petit coup. En plus, il braque rien, ce machin. Je vais le décrocher là. Hop. Tac. Se mettre là, de toute façon je pense qu'il va se mettre là au milieu avec son camion. Un petit coup. Ouais, il est pas sale. Ouais, il a un peu de poussière. Ouais, bon, il le fera. C'est ça qu'on a pas pris, nous, c'est un Karcher. Faudra qu'on aille voir en grande surface de bricolage, il n'y a pas moyen d'en avoir. Hein. Ça fera peut-être pas de mal qu'on donne de temps en temps un petit coup de Karcher. Ah, j'entends qu'il arrive. Ah ouais. Là, il n'y a pas photo. Oui, il y a carrément pas photo. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Bah nickel, dans ce beau temps. Ouais, c'est vrai que là, il fait vraiment beau par là. Bon, voilà la bête. D'accord. Ouais. Ah, c'est sûr que c'est autre chose. Ouais. D'accord. Niveau gabarit, déjà, c'est peut-être la même chose. Ah ouais, non, bah là, on va pouvoir faire du bon boulot avec ça. Ah déjà ouais, je vous dis déjà celui-ci est beaucoup plus puissant, il fait un 53 chevaux donc Guts là. Ouais non bah. Ça marche bien, c'est sûr que ça va pousser plus que le Zetor. Hein. Bah enfin ça va surtout tirer. Bon ça vous a bien dépanné quand même le Zetor pour commencer. Bah pour commencer ouais, pour faire les petits bouts, mais ouais, vous avez vu les troncs que je remonte là, que je dois remonter. Ah là ouais c'est vrai que ça fait juste. Le Zetor il est un peu ça fait juste. Celui-là, j'ai pu le remonter, mais ça force sur la mécanique, et puis voilà quoi. Le pauvre, il doit fumer noir. Je pense,
J'ai pas osé regarder quand je montais. Non, mais. Bon, il est encore dans un bon état, c'est bien, vous l'avez pas trop abîmé. Bon, il est encore un peu sale. J'ai Ouais, comme ça, rien pour vous le embêtez nettoyer pas. là. Vous embêtez pas, j'ai un Kärcher au garage, je passerai un petit coup de Kärcher dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Tac. Va passer tout seul, ça va passer tout seul. Ok. Donc pour le tarif, je suppose bon qu'il est pas au même prix. Non, il est pas tout à fait au même prix, il est un petit peu du double celui-ci. Ouais, bah de toute façon on n'a pas le choix. Bah, du la grosseur, hein, je vous dis, c'est le double du tracteur d'à côté, donc Ouais. niveau prix c'est pareil. Ouais, non, Donc mais celui-ci, ça, il a 12 000 le DOT. il a 12 000, Ouais. d'accord. Donc moins la compte que j'avais déjà versée. Ouais, moi la compte des 1 000 euros, donc ça vous fera 11 000 euros. Ouais. 11 000, d'accord. Donc de toute façon, on fera un pré-relais, je passerai sur. Y a pas de... Ouais. Oh, comme on avait Ouais, non, bah dit. là c'est bon, là on commence vraiment à gagner là. Là on a fait un camion, on a gagné pratiquement 6 000 euros, je crois, par là. 1 000 euros, oh, bah c'est bien. Donc, puis là, je pense qu'avec le camion là de Tron, celui-là, il devrait payer plus celui-là. Ouais, bah ça va commencer à se mettre en route, c'est bien pour vous, ouais. Donc bon, puis là, il nous faut du gros matos. Enfin, il nous faut du gros matos, oui. Puisqu'on a vu passer l'autre jour. Il nous faut du matos comme ça, parce que là, on va galérer, quoi. Bah, si vous voulez déjà sortir de grandes capacités, c'est sûr qu'il faut déjà autre chose, quoi. Ouais. Après, ça va faire juste de pas être rentable, en fait. Carrément pas, non. Carrément pas. Mais de toute façon, c'est un peu un cercle vicieux, hein. Plus on veut gagner, plus il faut investir, quoi. Ah bah c'est comme ça que ça marche, hein. Donc on en veut toujours plus, on veut toujours plus gros, donc c'est logique. C'est logique. Ah mais je vous dis, de toute façon, la facture que je vous avais dit pour tout le matos, les déplacements et tout, je vous donnerai ça en fin du mois. Ouais, d'accord. Ouais. On va voir ensemble. Ouais. Ok. Bon bah je Ok. vais reprendre le petit Zetor. Ouais, et ben Le petit puis moi, Zetor. bah, je vais laisser le moteur allumé là. Ouais, par contre, je vais vous faire voir les papiers du tracteur, ils sont là. Ouais, Ouais, sous le. dedans. Ouais, ils sont là juste en dessous, ouais. D'accord. Et puis il est en règle, y a pas de soucis. Ouais, d'accord. Je dis, il fonctionne bien celui-ci, je dis, il n'y a pas beaucoup d'heures de route, donc. Ouais, bah ça se voit, ouais, on a l'impression qu'il est tout neuf. Ouais, il On a est comme l'impression propre. qu'il sort d'usine là. Ah ouais, celui-ci, ouais. Nickel. Nickel. D'accord. Ok. Ouais, bah ça marche, moi j'y retourne parce que j'ai encore du taf. Ouais, bonne fin de journée, merci. Ouais, ça Et marche. Bah puis vous direz bonjour à votre bah. copain parce que je vous ai tout seul. Ouais, là je suis tout seul, il est parti chercher sa voiture. D'accord. Là, il va récupérer sa voiture, ça y est. Ouais, ça y est, ouais. Ça y est, ils ont fini de la restaurer là, Ouais. donc on va bien voir. Ok, bah ça marche. Bah allez, Mec, salut, bonne merci, à journée. bientôt. Au revoir. Nouveau tracteur, franchement. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. salut! hop. Hop, bon, allez. Allez, c'est vraiment autre chose, hein. Cyril, il va vraiment être surpris quand il va revenir. Hop, alors, la clé de contact. Ah, parfait. Ouais, du ouf. Ah ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a carrément pas photo. Allez, je vais juste là. Allez, en remonter encore un. Et puis, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, là, marche arrière. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hop. Hop, hop, hop. Reculer. Hop là. Hop. Ah ouais, ça fait déjà plus. On sent que ça fait plus costaud quand même. On sent que ça fait plus costaud. Adieu. Hop. Ouais, il va être surpris, Cyril, là. Plus voir son Zetor. Alors, hop, on va prendre celui-là, ton.
Ah merde, c'est ça que j'ai oublié de demander à Clément s'il avait une. Enfin, faudra que je l'appelle demain. Savoir s'ils avaient des broyeurs à copeaux ou s'il y a moyen d'en louer un quelque part. Hop. Tac. Hop. Non, ça marche arrière. Ah bah ça va bien mieux quand même. Bon, il en chie un tout petit peu quand même, mais bien moins que le Zetor. Nickel, bah avec ça on va pouvoir avancer. On va bien pouvoir avancer. Hop là, par contre, ce qui va nous manquer, c'est une petite lame à l'avant pour regrouper les troncs. C'est vrai que l'autre, c'est ça qui était bien sur le Zetor, c'est qu'il avait la petite lame. Hop, on va reculer. Non, on verra. Parce qu'on n'en a pas besoin. Hop là. Bon, allez. On va aller rentrer. Se prendre une bonne douche. Et pour aujourd'hui, ça a déjà bien avancé. Je vais le mettre là-bas au fond. Je vais le mettre là. Hop. Comme ça. Pas de soucis. Hop. Tac. Allez, hop. On va prendre une bonne douche. Tac. On va décrocher. Donc. Hop. Hop là. On va prendre deux trucs pour tirer. Pas de voiture, pas de circulation. Bon, enfin, il aura bien fait pour débuter celui-là, mais à mon avis, je pense que ça va être trop galère. Tac, 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 tout accroché. Hop là. C'est parti. Oh purée, il galère déjà comme ça, juste à vide alors. À mon avis, il va bien falloir qu'on voit pour le changer. Alors, le chemin, il est là. Bon, en descente, ça va bien. À mon avis, c'est dans l'autre sens où ça va merder. Tac. Alors. C'est quoi les touches? Hop, hop. Ça, c'est pour fermer le grappin. Hop là, voilà. Quand on prend les bonnes touches. Tac, ça a tout bloqué. Hop là. Et c'est reparti en marche avant. Allez, allez coco, allez coco.
Eh ben, tu vois. Il en chie, il en chie, il en chie, il en chie. Putain, il est à la limite de Calais. Allez, 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 grimpe, 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 grimpe. Grimpe. Je vais quand même pas descendre pour te pousser. Allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez. Ah, on y est presque. Bon, ouais, non, bah là, je vais passer trop de temps, moi. Je vais passer trop de temps. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est trop lourd derrière. Alors. Allez. Oïs. 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 Ouais, c'est bon, on est sur le plat. Sur le plat, mais on le sent bien le tronc d'arbre quand même derrière. Purée. Ah, oh, ils en ont oublié là. Ah non, c'est juste une petite souche. Hop. Bon. Ouais, non, bah là, non. Ça va pas le faire. Je vais me poser là. Hop. Et on va passer un coup de téléphone. Parce qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Alors, le téléphone. Le téléphone, le téléphone. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Oui, Garage LFD, bonjour, Romain, votre service. Oui, bonjour, c'est Guillaume. Oui, bonjour. Toujours l'emmerdeur. Toujours. Dites voir, là, bon, on nous a demandé de faire des troncs en 15 mètres. Oui. Par contre, le petit tracteur là qu'on a pris l'autre jour, il est trop juste. Le secteur, là. Ouais, il est trop juste pour tirer. Ah, c'est pas étonnant, hein. Est-ce qu'il y aurait moyen de que vous nous le repreniez et qu'on puisse voir pour un autre tracteur? Pardon, excusez-moi. Oui, comme je vous ai dit la dernière fois, je peux reprendre le Zetor, puis là au magasin j'ai un petit dot, sinon on peut voir si on peut faire affaire, ouais. Ouais, bah bon, vu 543 chevaux, je pense que ça peut déjà vous aider. Ah ouais, bah ça fera quand même plus, ouais. Ça fera quand même un petit peu plus, ouais. Parce que là, là je viens de... Oui, remonter. Il est flambant neuf, hein, il est... D'accord. Il n'y a pas beaucoup d'heures de service, donc... D'accord, d'accord. Ouais, bah de toute façon, je pense qu'on va pas avoir le choix parce que là, si on veut avoir ce marché, il nous faut un tracteur plus puissant là. Ah, je vous avais dit, le Zetor c'est bien pour commencer, mais après, c'est que ça devient juste. Ça vient juste. Ouais, ça devient juste. Donc, ouais, on peut faire l'échange. Du coup, oui, bah, on va négocier ça. Ouais. Les acomptes que je vous ai versés partiront sur l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On se mettra directement sur l'autre. Ouais. Dac, ok. Vous avez moyen de me l'amener rapidement ou... Vous pouvez attendre une petite heure tant que je finisse, parce que là j'ai une réparation à faire sur une abatteuse. Donc je peux vous l'amener d'ici une petite heure. D'accord. Ouais. Ouais, bah pendant ce temps là je vais attendre parce que là de toute façon... Oui, si je vais aller plus vite et je vous l'amènerai avant. Mais... Ouais, d'accord. Ok. Et ben on fait comme ça, moi je vais commencer, je vais continuer plutôt à abattre mes arbres. Et puis... On peut faire comme ça, je lui dis, ouais, d'ici ouais, 40 minutes, 1 heure, ouais, je serai chez vous. Ouais. Dac, ok. Je serai chez vous. Ok. On voit ensemble, moi je repars avec le Zetor, puis. Oui. On voit ensemble au niveau du prix. Dac. On voit un peu dans l'état qu'il y a le Zetor, puis. On voit ça ensemble. Ok. D'accord. Ok. Et eh ben. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Merci. Ouais, ça. Ça va pas être du luxe de changer. Il était bien pour démarrer, mais là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Hop, on remonte dans la batteuse. Et c'est parti!
précédemment dans Les bûcherons du dimanche. Le premier. Le barouf. Ah, ça passe tout juste niveau taille, c'est nickel. Ouais, c'est bon la taille? La taille, c'est impeccable. C'est... Faut qu'on fasse plus de 6 mètres quoi. Ouais, on aurait pu faire 5 mètres 50, ça aurait été pas mal. Ouais, plus court, ça aurait été. Ouais, pour la prochaine fois. Bon bah c'est cool, ils sont en train de charger là. Ouais. Ça va le faire. Puis là ça devra nous rapporter pas mal de pognon. Un petit peu, ça commence. Pendant qu'ils sont en train de charger, je pense que ça serait peut-être pas mal qu'on fasse de l'entretien sur les machines, non? Tu crois pas? Ouais, ça lui fera du bien. Ouais, d'accord. Faudra ramener le tracteur. Je le ramène. D'accord, je vais ramener la batteuse. Ouais, ça devrait nous faire pas mal de pognon, ça. Alors. Les clés. Hop. Démarrons le bousin. Hop, un petit peu de chauffe. Hop là. Ah merde, il y a la remorque là. J'ai pas vu qu'il y avait la remorque. Ouais. Il va où? Bon, on va se mettre dans le corps de ferme, ce sera plus simple. Comme tu veux. Il faudra qu'on s'aménage un petit atelier par là quand même. Ça serait pas mal. Hop. Donc là, la batteuse. Hop là. Vas-y, mets-toi à côté. Ouais. On va profiter de faire le plein. Faire le plein d'huile. Ah, c'est bon. Mais, allez, hop. Petit bidon d'huile. Hop. Alors la tête a l'air d'être propre. Ouais, mais peut-être rafuter un peu la lame quand même. Tu as trouvé un peu dur? Non, mais bon, comme ça au moins on est tranquille, on sait qu'elle coupera bien quoi. Ouais, comme tu veux. On est tranquille et. Ça ira bien. À mon avis, faut prendre une meuleuse. Meuleuse sur une lame, toi, non, mais tu. Sur une lame, sur les lames. Tu veux de... une claque? Ou tu prends une lime là, alors si tu veux. Ah oui. Eh bah vas-y à la lime. Toi, tu veux une claque? Non, je veux pas une claque. Si. Bon alors, le niveau de l'huile dans ce bordel, c'est où déjà? Et tu l'as bien arrêté? Non, je l'ai laissé en route. Ouais, fais pour le con. Petit con. Ouais. Par la lame, fais pour le con. Hop. Et alors, l'huile? Attends, on va baisser la lame parce que... Tiens, baisse la lame, s'il te plaît, du tracteur. Oh, t'es chiant. Ah, comme ça, au moins, je vois s'il manque de l'huile. Ah, c'est bon, top. C'est sûr.
Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu peux retourner limer ta chaîne. Ouais. Ouais, un petit peu plus d'huile. Hop. Parfait. Les cardans, c'est tout bon. Les lames là-dessous. Bon, elles ont pas trop chopé de cailloux. Attends, j'ai un appel. Bon V, ouais. J'ai envie de t'entendre. Ouais, c'est ça. Bon, les pneus, ils ont pas morflé. Ça va, tranquille, pépère. Tranquille, tranquille. Hein. Hop, on va refaire le plein de la bacon. Hop, belle bacon ça. Voilà. Ouais, oh, pas spécialement besoin d'affûter. Ouais, Guillaume. Oui. Je viens de me la finir. De quoi? Récupérer ma titine. Ah, ça y est. Ouais. Bah c'est cool. Ah bah ça va faire du bien. Tu vas enfin pouvoir te déplacer tranquillement. Oui. J'aurais plus besoin de toi. Sans que je te déplace. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Pas de soucis. J'ai reçu un message de mon père, il cherche des poutres de 15 mètres. Est-ce que vous pouvez me fournir du bois? 15 mètres. Je pense, ouais. Parce qu'on en a absolument pas en stock. Ouais, il vous les faut rapidement, je suppose, non? Parce que là. Ouais, c'est rapidement, ouais. Dac. Bah, je termine là, avec mon collègue là. Pas de soucis. Et puis, bah au pire, commencez déjà à faire la sélection du bois. Dac. Et puis, faire, je vais faire les marquages. Après. Des marquages, ouais, dac. Oui, toi, ta titine, ouais, donc je suppose que tu vas vouloir aller la chercher. Bah, ouais, enfin, pas, c'est pas urgent, non, mais... Non, parce qu'il y a, éventuellement, il y a la camionnette, là, qu'il faut rendre, aussi. Ouais, faut essayer de la ramener. Parce que du coup... Faudrait qu'il y ait un coup du pognon, celle-là. Bah non, puis en plus si t'as ta titine, on pourra s'en servir quoi. Seul truc, on va peut-être graisser avant les axes. Ouais, pas de soucis. Il faut que tu commences à attaquer dedans. Bah ouais. Bah, attends, on va la descendre parce que là sinon... Ouais. Vas-y encore, que je puisse graisser ceux là-haut. À ton avis, pourquoi est-ce que j'essaye de bouger là? Encore un peu. Bah, eh oh, je suis pas grand moi. T'as qu'à arrêter de grandir dans les placards, toi. Grandir dans les placards. C'est quoi cette expression à la Noël? Comme si tu la connaissais pas celle-là. Non, non. Bon. Ouais, ça va faire, ouais. Oh, attends, tu peux le faire là-haut. Oui, bah, Hop, un petit peu de graisse. C'est peut-être pas très grand, mais faut peut-être pas exagérer non plus. Un petit peu de graisse, hop là. Et un petit peu de graisse aussi par là. Hop. Bien. Ah. Pouf. Bah écoute, les clés du camion, elles sont à l'intérieur. Oui, comme d'habitude. Hein, je vais aller voir les arbres, ouais. Les arbres qu'il va battre. Et puis bah, okay. Écoute, bah, j'y vais et puis je te dis. Puis tu me tires au jus quoi. Je serai de retour ce soir quoi. Bah essaye de faire au plus vite, ouais. Ouais bah oui. Faut quand même retourner sur Eckendorf. Hein. Ouais bah ouais, mais bon. Oh. Dépêche-toi! Parce que si il faut des troncs 15 mètres tout seul, je vais galérer quoi. Ah bah. Surtout oui, avec la petite merde là, rouge là. Mais. C'est toi qui l'as prise, hein. C'est pas moi. Ouais, non, non, mais voilà. faut que je vois avec Romain, s'il n'y a pas moyen qu'on l'échange. Ouais. Qu'il nous le reprenne celui-là, là, il a pas. On a pas servi beaucoup. Ah, donc, un tout petit peu, c'est pas énorme. Ouais. Là, ok.
Tac, bon bah y'a plus. Je vais aller voir son bois. Alors. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ils sont toujours en train de charger là-haut. Ah, les voilà en bas. Bon, vous êtes heureux de bonne heure? Je crois, ouais. Ouais, Ouais. je pense que cela, ça pourrait le faire. Ils sont assez grands. Assez grand, bonne qualité. Ouais, ça va. Tac. Ouais, ça va. Il vous en faut combien au total? Bon, je sais pas. Je sais absolument pas ça. Je lui ai absolument pas demandé. Ouais. Bah, Mais comment il lui en faut, il en faut ouais, un petit paquet quand même. une petite dizaine? Ouais, une petite dizaine. Je pense que ça Like. devrait faire une petite dizaine. Bon, on va déjà commencer par ça, et puis... Ouais. Voilà, par contre, je vais être tout seul pour faire ça cet après-midi. Ouais. Je pense que ça fera pour... ouais, demain ou après-demain, je pense. D'accord, bah, pas de soucis. Dac. Aucun problème. Ok. Eh ben... Là, on est en train de finir de préparer le matériel. Ouais. On avait deux, trois petites révisions à faire, les graissages et tout. D'accord. Et puis, bon, je vais attaquer, quoi. Ok. Bah bon courage. Tac. Merci, Je ouais, vais finir de charger. vous avez bientôt fini de charger, ouais. Ouais, j'ai bientôt fini. Tac. Allez. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on est bien dans ces bois. Bien mieux qu'en ville. Hein. Alors. Il est déjà parti ou pas? Ah, il est déjà parti. Purée, il a fait vite. Hein. Il a fait vite. Il était pressé de récupérer sa voiture. Pouf. Ouais, non, je suis en train de réfléchir. Tac tac tac. Je vais aller boire un coup déjà. Allez, hop. Ah, ça fait du bien. Bon, allez, hop. On va aller faire ces troncs. Ces 15 mètres, ça me fait un peu chier d'y faire tout seul. Mais bon, y a pas le choix. Il faut qu'on encaisse du fric. Hein. Hop. Là, on se recaler un peu droit. C'est pas taper dans le tracteur. On va tout de suite la régler en 15 mètres. Alors, 4 mètres, 50, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, 15 mètres, voilà. Hop, alors, je sais pas. Putain, c'est étroit quand même par là. Je savais pas que c'était aussi étroit. Bon, ça va faire tout bizarre de travailler un petit peu seul là. Mais bon, principe. Ce soir, il est revenu. Alors. Pas de voiture. Putain, ça patine un peu sur le bitume là. Ah, je vois qu'ils ont fini de charger le camion. Bon, j'espère que dans ce sens-là, ça va passer, qu'ils s'enliseront pas. Je vais laisser passer. Ouais, ça a l'air bien gras quand même. Hein. Ils ont l'air de galérer. Je suis allé voir. Voilà. Ah, il a pris l'élan. Ouais, ça a l'air de Ouais. patiner. Ouais, ça patine un peu, ouais. Bah, c'est déjà Ouais, mais du galélé. chargé, ouais, ça va mieux quand même, ouais. Ouais. Hop. Oh là, elle fait du rafut, votre machine. Bah, ouais.
on va ramener la batteuse. On va remonter la batteuse. Il devrait plus trop tarder avec le tracteur. Et ça devrait déjà être quand même plus costaud. 140 chevaux, un doute, ça devrait le faire. Bon, sinon j'accroche derrière la batteuse. On va la couper, elle aura de la puissance. Je vais peut-être le nettoyer un petit coup quand même, les étoiles. Poser ça à la ferme. Bon, et puis Cyril, j'espère qu'il va revenir parce que bosser tout seul. Hop, poser ça là. Hop, on va se pas péter le mur. Là. Ah bah. Ça fait du bien quand ça s'arrête, ça. Et hop, là, celle-là, elle va rester là. Je la fermerai tout à l'heure. Hop, je vais remonter là-dedans. On va la mettre dans la ferme, on va lui donner un petit coup, vite fait. Poser le... Hop, un petit coup. En plus, il braque rien, ce machin. Je vais le décrocher là. Hop. Tac. Se mettre là, de toute façon je pense qu'il va se mettre là au milieu avec son camion. Un petit coup. Ouais, il est pas sale, ouais, il a un peu de poussière. Ouais, bon, il le fera. C'est ça qu'on a pas pris, nous, c'est un Karcher. Faudra qu'on aille voir en grande surface de bricolage, il n'y a pas moyen d'en avoir. Hein. Ça fera peut-être pas de mal qu'on donne de temps en temps un petit coup de Karcher. Ah, j'entends qu'il arrive. Ah ouais. Là, il n'y a pas photo. Oui, il y a carrément pas photo. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Bah nickel, dans ce beau temps. Ouais, c'est vrai que là, il fait vraiment beau par là. Bon, voilà la bête. D'accord. Ouais. Ah, c'est sûr que c'est autre chose. Ouais. D'accord. Niveau gabarit, déjà, c'est peut-être la même chose. Ah ouais, non, bah là, on va pouvoir faire du bon boulot avec ça. Ah déjà ouais, je vous dis déjà celui-ci est beaucoup plus puissant, il fait un 53 chevaux donc Guts là. Ouais non bah. Ça marche bien, c'est sûr que ça va pousser plus que le Zetor. Hein. Bah enfin ça va surtout tirer. Bon ça vous a bien dépanné quand même le Zetor pour commencer. Bah pour commencer ouais, pour faire les petits bouts, mais ouais, vous avez vu les troncs que je remonte là, que je dois remonter. Ah là ouais c'est vrai que ça fait juste. Le Zetor il est un peu ça fait juste. Celui-là, j'ai pu le remonter, mais ça force sur la mécanique, et puis voilà quoi. Le pauvre, il doit fumer noir. Je pense,
J'ai pas osé regarder quand je montais. Non, mais... Bon, il est encore dans un bon état, c'est bien, vous l'avez pas trop abîmé. Bon, il est encore un peu sale. J'ai Ouais, rien ça, vous pour le nettoyer là. embêtez pas, j'ai un Karcher au garage, je passerai un petit coup de Karcher dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Tac. Va passer tout seul, ça va passer tout seul. Ok. Donc pour le tarif, je suppose bon qu'il est pas au même prix. Non, il est pas tout à fait au même prix, il est un petit peu du double celui-ci. Ouais, bah de toute façon on n'a pas le choix. Bah, dû la grosseur, hein, je vous dis, c'est le double du tracteur d'à côté, donc Ouais. niveau prix c'est pareil. Ouais, non, Donc mais celui-ci ça, il a 12 000 le DUT. il a 12 000, d'accord. Ouais. Donc moins la compte que j'avais déjà versée. Ouais, moi la compte des 1 000 euros, donc ça vous fera 11 000 euros. Ouais. 11 000, d'accord. Donc de toute façon, on fera un pré-relais, je passerai sur. Je Ouais. crois comme on avait Ouais, non, dit. bah là c'est bon, là on commence vraiment à gagner là. Là on a fait un camion, on a gagné pratiquement 6 000 euros, je crois, par là. 1 000 euros, oh, bah c'est bien. Donc, puis là, je pense qu'avec le camion là de Tron, celui-là, il devrait payer plus celui-là. Ouais, bah ça va commencer à se mettre en route, c'est bien pour vous. Ouais. Donc bon, puis là, elle est plus toute neuve, mais bon, Va elle marche falloir mettre bien. une chicane là, sur le pot. Ouais, non, bah, mais bon, elle marche bien, impeccable, elle Ouais. coupe bien, elle nous rend bien service. Ok. C'est toujours mieux que de couper à la main, à la tronçonneuse. Oh bah ouais, ça c'est sûr. Donc. Bon D'accord, allez. bon, je vais commencer à couper les arbres. Tac. Bah faites-moi signe quand. Dès que j'ai fini, je viens vous voir. Ouais, ok. Bon, c'est cool. Au moins ils sont pas restés enlisés cette fois. Hop. Je vais commencer à couper quelques troncs. Ah, moi je bute. Je suis pas bien réveillé. Un arbre. Alors, donc les arbres en bas. Putain, par contre, elle se traîne, cette abatteuse. On aura du déchet, je pense, hein, quand même. Ouais, c'est pas grave, ça nous fera du bois pour cet hiver. Là, faudra qu'on s'en coupe quand même quelques-uns pour nous. Alors, on va commencer tout en bas et puis on va faire un remontant, je pense que c'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. Hop, on va activer ça. Donc il a dit qu'on pouvait prendre tous ceux qui étaient par là. Au plus bas. Hop là. Bim. Hop. Donc je suis bien en 15 mètres. Allez, c'est parti. Hop. Bon, bah on aura du déchet. C'est pas grave. Il faudra que je lui demande s'il a pas un broyeur. Allez. Hop, donc ça en fait déjà un. Hop là. Tac. Je chope le deuxième. Faut que je fasse gaffe de pas péter la clôture du voisin là, parce que. On va pas apprécier, je pense. Allez, hop là. Putain, ça fait grand quand même en 15 mètres, hein. Purée.
On va couper le dernier, on va passer à côté de la souche. Hop. Voilà. Tête d'abattage qui se balance. Ils en sont où là-haut? Moi, je les vois pas depuis là. Je ne les vois pas depuis là. Hop. À côté de la clôture. Parfait. De toute façon, je crois que je vais aller chercher le tracteur. Je vais aller chercher le tracteur. Hop. Ah, décidément, ce joystick, je vais pas m'y faire. Là. Hop, et ça, c'est du déchet. Hop, je vais arrêter la batteuse là. Et je vais aller chercher le tracteur. Hop, allez, on va aller chercher le tracteur pour remonter déjà au moins ça. Voir s'ils ont pas terminé là-haut. Putain, ça grimpe là. Je sais pas si le petit tracteur il va réussir à monter ça. À première vue, ils ont terminé. C'est bon, on a fini. C'est bon, vous avez fini? Dac. Ouais. Donc, on avait dit 85 le mètre cube, c'est ça? Ouais. Bon, on a à peu près 70 mètres cubes. Attendez que je sorte la calculette, parce que... De tête comme ça, ça fait 5950. D'accord. Hop. Né pour vous. Merci. Je laisserai remplir l'ordre. Ouais, je mettrai au bon ordre, ouais. Pas de soucis. Like. Ouais. Ok. Bon bah, vous me rappelez dès que vous avez les... Ouais bah dès que j'ai les troncs là, j'en ai déjà fait 3. Je vais déjà commencer à les remonter là. Ok. À mon avis, je vais les remonter sur la plateforme là. Ouais. Ça vous aurait pas besoin de venir. Vous avez pas galéré un peu avec votre petit tracteur là? On va voir. On va voir. Ouais. Mais bon, je vais la remonter là, comme ça au moins vous galérerez pas vous avec le camion. Oui. Ouais, on galérera pas. D'accord. Allez. Ok. On va aller décharger ça. Ouais. bonne journée. Merci, vous aussi. Bon, et ben voilà, un petit chèque, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Hop, allez, pas de course. Hop, alors, le tracteur, hop. D'accord, on monte dedans. Hop, on va monter ces putains de troncs. Avec ce tracteur, là. Pas terrible. Hop, on remonte la lame. Tac. On va remonter le machin là. Ça, je vais les poser. Marche arrière. Voilà. Poser là-dedans. Hop. Ah. C'est bon. Hop. Ah bah moi avec le camion maintenant, ça nous fait de la place. Hein. Ça nous fait de la place.